Alors, bonsoir à tous, je m'appelle Paul Musso, je suis consultant JavaScript et ce soir je suis très content d'être avec vous et je voulais vous parler d'un outil que j'apprécie beaucoup qui s'appelle les DevTools. Alors, avant de rentrer dans les DevTools, moi je voulais juste faire un petit jeu, une petite blague. Autour des artisans et des outils qui maîtrisent. On va prendre le cas d'un charpentier. Ouais, un charpentier, il est toute la journée sur le toit, il maîtrise bien ses marteaux, il sait planter des coups, quoi. Donc qu'est-ce qui se passe si on lui enlève le marteau et qu'on lui donne une banane? Bon, même si le charpentier, il a à fond, il est content de faire sa journée. Là, dès qu'il va avoir la banane dans ses mains, qu'il va avoir planté son clou, ça va pas bien se passer. Là, il va sentir que la journée, elle va être longue. Donc voilà, ça marche pas, quoi. Maintenant, on prend le cas d'un développeur web. Un développeur web, si on lui donne un Mac, le développeur web, il est content, quoi. Le développeur web, il a une machine qui marche, qui a une bonne batterie, qui est performante, qui est jolie, qui est sexy, il peut se la péter. Voilà. Ah, maintenant, toujours pareil, on prend le développeur web et on lui donne IE 6. Là, c'est un peu comme la banane avec le charpentier. Il y a un petit moment de flottement. Là, tu sens que voilà, ta journée va être longue, quoi. Donc voilà, ça marche pas, quoi. Voilà, c'est pas le bon outil. Maintenant, bon, pour un développeur web, on lui donne un Mac, bon là il est content, hein, c'est cool, et on lui donne les DevTools. Et voilà, là c'est le bonheur, quoi. Donc, tout ça pour vous dire que les bons outils font les bons artisans. Alors, c'est quoi les DevTools? Ok. Ouais, c'est ça. Les dev tools, voilà, quand on les ouvre, hein, voilà, ça donne ça, quoi. On a une application. C'est juste que j'ai pas le truc là, voilà. Avec pas mal d'onglets, pas mal de boutons. On peut cliquer partout. Voilà, ça a l'air un peu compliqué. On a l'impression que ça fait le café, mais bon, faut voir comment on peut l'utiliser, quoi. Donc voilà, les DevTools, c'est un peu comme un couteau suisse. C'est un vrai couteau suisse, hein. Vous pouvez l'acheter. Voilà, avec ce couteau suisse là, on peut couper, on peut scier, on peut visser, on peut mesurer, on peut ouvrir des bouteilles, il y a même l'heure, voilà. Voilà, on peut faire plein de choses et voilà, et le DevTools c'est pareil en fait. Les DevTools on peut à peu près tout faire, faut juste savoir que les DevTools peuvent le faire et voilà. Donc, alors voilà, la question c'est comment les DevTools peuvent m'aider dans mon boulot de tous les jours en tant que développeur. On va faire trois use cases, hein, du développeur. Le premier, ça c'est le debugging d'application. Commençons. Hop. Donc là, l'idée, voilà, donc pour aujourd'hui là, donc avec l'aide de Guillaume Arme là, qui m'a aidé à faire cette application. Donc c'est une application révolutionnaire. Hein, on l'appelait Alfred. Hein, c'est une application qui vous donne les tâches que vous pouvez faire, enfin que vous avez à faire. En fait, c'est une to-do list. Mais le truc, c'est que voilà, on l'a nommé Alfred, c'est le majordome de. Enfin, c'est pour un clin d'œil à Batman, quoi. Donc, avec votre majordome Alfred, voilà. Là, disons que on va le mettre en production, et en fait, là, il y a une barre d'action, là, et on peut filtrer en fait les to-do. J'ai juste enlevé les DevTools, voilà. Donc là, quand on appuie, bah, il se passe pas grand-chose, quoi. Donc là, on dit, bon, ok, j'ai les DevTools, comment les DevTools peuvent m'aider? Ok, j'ouvre les DevTools, j'appuie, et là déjà, on voit qu'il y a du rouge,
Il me dit des trucs, ok, il doit y avoir des erreurs. Donc, on va demander, en fait, au dev tool, on peut lui demander, mais arrête-toi sur à l'endroit où il y a l'exception dans le code. Ok, on y va. Alors, c'est dans l'onglet source. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est juste que le panneau là est pas ouf. Non, voilà, oui, c'est plutôt comme ça. Et donc là, comme ça, si je reclique en fait sur mon application, que je fais ça, voilà. Là, en fait, je me suis arrêté sur le code source et là où ça a planté. Donc là, ce qu'on voit, c'est la ligne là. On voit, si on met le curseur dessus, qu'il y a une erreur 500, on sent qu'il y a une erreur réseau. On sent que l'erreur, elle n'est pas vraiment côté front, là, on est dans le code du front, et que c'est plutôt dans la partie back-end. Donc, Alfred, là, c'est une application de tiers, pas trois, parce qu'en fait, il n'y a pas de base de données, c'est juste un fichier. On va s'arrêter à deux. Et du coup, avec les DevTools, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller aussi débugger le back-end, en fait. Parce que le back-end, en fait, il fonctionne aussi avec le moteur V8, c'est le moteur JavaScript de Chrome, et Node.js en fait implémente le protocole des DevTools, donc qui est du coup consommable par l'IHM des DevTools qui est ici. Donc ce qu'on peut faire, donc là c'est marrant parce que ça ne m'affiche pas forcément. Ok, on va faire hop, on va ouvrir les DevTools pour notre process Node. Donc, voilà. Et là, grosso modo, on est dans notre process node, sauf qu'il n'est pas démarré. Tac, 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 tac. Ok. Voilà, je crois qu'il est démarré là. Et donc, ce qu'on peut faire, voilà, c'est que on peut faire la même chose. On lui dit, vas-y, arrête-toi sur l'erreur. Ça marche. Donc là, si je Allez, j'en ai deux, je vais supprimer celui-là. Si je clique sur Active, voilà, ça s'arrête sur l'erreur. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que dans le code, ouais, en fait, voilà, on a mis un filtre en fait, hein, qui est passé dans la query, et en fait, on n'a pas implémenté le truc, hein, c'est notre implémenté, ok. Ça n'a pas été implémenté, quoi. Soit. Alors on peut supprimer dans les DevTools, hein, le code directement. Le truc, c'est que on l'a supprimé, mais on l'a supprimé dans la mémoire de V8, quoi. On n'a pas supprimé sur le file system. Pour faire ce lien avec le file system, il y a ce principe de workspace. Donc ça fait le lien entre les fichiers qui ont été loadés dans V8 et le file system. Donc on peut se servir en fait quand on a fait ce lien des DevTools comme un éditeur, comme un IDE en fait. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va le faire. Alors, où est-ce que je suis? C'est le truc. Je vais faire le binding en fait, tout simplement. Démo. Tac, tac, tac. On va se mettre juste là en fait, comme ça. Ok. Et donc là, on autorise l'accès. Et donc là, voilà, on voit bien, voilà, on est bien là. Donc là, on a sauvegardé. Là, il y a un petit point vert, ça nous dit c'est bien synchronisé, il a bien fait la liaison. Ça, avant, ça n'y était pas. En fait, le système de Workspace a été remanié et a été publié en début d'année. C'est la version 2.0. Et donc, du coup, là, si on relance notre appli, on arrête ça et que je lance mes filtres déjà, on voit que déjà, il n'y a pas d'erreur, c'est cool parce qu'en fait, j'ai enlevé les lignes où il y avait l'erreur. Et donc, ce que je peux faire, c'est que je vais rapidement. Alors, on va faire to-do list. Donc voilà, notre liste, elle est chargée dans cette variable-là. Et donc, ce qu'on peut faire, donc c'est que. Alors, ce qui est bien avec voilà, quand on. Ce qui est bien, voilà, c'est qu'on peut profiter en fait du debugging en fait quand on ne connaît pas ce qui se passe dans un objet. On peut s'en servir.
On peut à la fois avoir l'intérêt du debug, enfin d'un débuggeur, et aussi d'un IDE. Donc, hop, donc on va se remettre juste là. Et donc, on refait. Donc là, qu'est-ce qu'on a en fait dans notre contexte? Dans notre contexte, on a donc un objet params. Params, il a rien. Ah oui, je crois que c'est query. Query, voilà, query, là, le filter. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que, tac, on revient sur notre fichier. On va faire notre if, voilà, sur notre CTX. Donc c'est query, filter. Et donc, on va dire, si le filter est égal à completed, alors du coup on va filtrer notre liste en fait hein, tout simplement. Donc to do, on va faire donc un filter, on prend un filter et on va dire en fait tous ceux qui sont add-on, ok, et en fait on les renvoie. Et donc là si on se remet en fait, alors hop on se remet là, ça j'enlève le point d'arrêt, tac, je le fais comme ça. On voit que ça ne fonctionne pas du tout. Ça, c'est l'effet démo. Hein? Ouais, tout à fait. Merci beaucoup. Et quoi? Ah oui, merci. Ouais. Ça, c'est gros. C'est pas assez gros pour moi, quoi. Voilà. Du coup, on est là. Et on va implémenter l'autre filter rapidement. On voit que les DevTools là nous affichent donc les changes sur le côté aussi, ça c'est une nouvelle feature des DevTools. Et donc on a aussi Active. Et donc Active en fait c'est l'inverse en fait, tout simplement. Donc on fait comme ça, hop. Et donc là on a voilà, on a notre truc, on a grosso modo bah, débugger notre serveur en fait bah, grâce au DevTool. Donc si je reprends donc les slides. Voilà, on a l'IHM des DevTools. Cette IHM, elle est packagée dans Chrome, enfin dans Chromium pour être précis. Et donc elle est disponible sur ce repo. Hein. C'est une appli web standard qui en fait communique avec des process qui implémentent le protocole des DevTools. Donc voilà. Et donc maintenant, on va voir plutôt un use case sur l'optimisation. Okay, donc optimisation, on va changer de branche comme ça, tac. Donc là, l'idée, c'est que les DevTools peuvent nous permettre aussi d'optimiser notre code. C'est cool. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que... Je lance du coup le truc. Ça. Excusez-moi. Je sais pas si j'ai la bonne version. Ouais, ça va être bon. J'aime bien ces erreurs qui arrivent comme ça. Ça, c'est la merde. Ça, c'est la merde. Et donc, ça, ouais. Attends, je vais le voir avec un guide peut-être. Je sais pas, ouais, là, en pleine presse comme ça. Qu'est-ce qu'il va me dire? Tac. Yes. Moi, ouais, je pense que c'est bien. Et là, si on revient. Ça m'a l'air bien. Ok. Petit moment de frayeur. Et donc là, voilà, on a notre application, mais là, par contre, on a beaucoup plus de to-do. On en a 50 000. Et du coup, quand on regarde sur le panneau réseau, en fait, et qu'on fait refresh, là, comme ça, hop, on voit que, voilà, ça prend 600 millisecondes. J'y vais, je répète, en fait, hein, le process, et à chaque fois, on voit, ouais, 600, 500, 600, voilà, ok. Bon, ça prend pas mal de temps pour récupérer les to-do, c'est pas forcément acceptable pour une application en production. Donc, ce qu'on va faire, donc là, déjà, on a identifié un scénario qui permet de mettre en avant le problème de performance. C'est le premier truc quand on veut optimiser, avoir un scénario reproductible.
Deuxième point, maintenant, c'est d'aller plus loin, c'est de voir, identifier les fonctions qui sont les plus lentes en mesurant le temps d'exécution de chacune d'elles. Et ça, les DevTools nous permettent de le faire facilement. Donc, on y va. Voilà, c'est donc dans la partie profiler. Ça, c'est les DevTools pour Node.js. Et donc, on va pouvoir enregistrer, mesurer le temps d'exécution de l'ensemble des méthodes, comme ça. Si je lance mon truc, allez, je vais le faire deux, trois fois, histoire de. Et tac, voilà. Et du coup, là, on a les. Alors là, voilà, là, on est sur le flame chart, en fait, où on voit l'ensemble des timings des méthodes. C'est un peu les call stack, mais affiché avec des couleurs sympas. Et donc là, on voit effectivement, ça prend 5, 600. Là, on a 800 millisecondes. Et puis, en fait, l'idée, ça va être d'identifier des méthodes qu'on connaît, quoi. Enfin, qui sont, en fait, proches de ce qu'on a côté serveur, là. Donc, je vous montre le code rapidement du serveur. Donc, voilà. On a, ça, c'est le code qui renvoie la liste des to-do filtrées. On les a ordonnés par date, de manière descendante. On a fait là j'utilise Ramdas, c'est une librairie fonctionnelle. Je sais pas si on en parlera juste après dans la presse d'après. Et après, on fait une projection, c'est-à-dire qu'on va un peu transformer l'objet. Notamment, on va transformer donc le texte. On va mettre une minuscule au début. Ok, soit. Donc là, en fait, dans le flamchart, on va chercher des fonctions qui sont en rapport, en fait, du code qui est en rapport avec notre code là. Donc ce qu'on voit là, c'est qu'il y a à peu près, là, il y a deux familles, en fait. Il y a ce truc là, à gauche, là, où en fait, ça finit par un sort by. OK? Le sort by, on voit là que ça fait 500 millisecondes, à peu près. Et après, dans la query, donc ça correspond à notre sort by, là. Donc là, déjà, lui, sur les 800, il prend les deux tiers des perfs. Okay. Et après, on a un autre, c'est plutôt tout ce qui est map, donc c'est la projection, la transformation de données, elle, donc ça serait plutôt lui là. Et lui, il prend un quart, quoi, on va dire, un quart. Ok. Donc, ce qu'on peut faire là, c'est, du coup, il faut travailler sur le sort. Donc, le sort, alors sur Ramda, en fait, ils disent qu'on peut sort comme ça, de cette manière-là. C'est vrai, mais on peut aussi sort avec une fonction qui fait plutôt une comparaison entre deux éléments. Donc là, je me suis rendu compte qu'en fait, quand on utilise cette fonction, qui s'appelle descendre comme ça, donc si on enlève le reverse, qui sert à rien, et que on record comme ça, tac. Alors, je vais le lancer deux, trois fois, histoire de qu'il n'y ait pas de phénomène bizarre avec le garbage collector qui passe et qui ralentisse le truc. Okay. Et là, dans ce qu'on voit, c'est que là, le sort déjà, donc au total, là déjà, on est à moins, on est à 800, là, on est plutôt à 400. Et le sort, il est à 71, là, à peu près, 71 millisecondes. Alors que là, voilà, il était à 500, quoi. Donc là, on a fait une bonne optimisation. Voilà. Et du coup, ce qui reste, en fait, c'est donc tout ce qui est projection, donc la transformation de l'objet, bon, qui prend 200 millisecondes. Voilà. Donc ça aussi, on peut l'optimiser. Alors, c'est grosso modo quand on regarde de plus près, quand on zoome, en fait, hein, c'est un peu, il faut partir à la pêche, en fait, hein, il faut un peu analyser donc ce flame chart pour voir qu'est-ce qui revient souvent, en fait. Et on voit là qu'il y a souvent, on voit evolve, 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 ok. Et dans les vols, en fait, on voit souvent qu'il y a des replace là. Replace, replace. On les voit partout là. Et eux, ils prennent pas mal, en fait. En fait, le replace, c'est là, quoi. Donc, on se dit, ouais, si ça, on l'écrit avec un code un peu plus vanilla, plus du JavaScript natif, qui sans fioritures, certainement, on arrivera à aller un peu plus vite. Donc, on gagne un peu. Hein. On divise par deux. Je ne vais pas vous le montrer, mais on divise par deux si on l'écrit en JavaScript vanilla. Ok. Donc, si je reviens sur mes slides, voilà. Après, voilà. Le but, en fait, maintenant, ça va être de réduire le temps d'exécution en limitant ou remplaçant les instructions coûteuses, quoi, tout simplement. Alors voilà. Et du coup, optimiser du code, en fait, il faut le faire après parce que, en fait, c'est souvent un trade-off entre
lisibilité et maintenabilité. On a du code qui est joli avec Ramda, par exemple, dans notre exemple. Et souvent, pour optimiser, on va, c'est possible qu'il faille le faire en JavaScript vanilla avec des mutations pour pas trop faire de travail avec tout ce qui est mutabilité, ce que gère Ramda, par exemple. Donc on a effectivement du code qui est moins lisible, il est optimisé. Moi, je vous conseille de le mettre entre commentaires pour dire touchez pas à ce code-là. Je sais, il est dégueulasse, mais il est performant, quoi. Voilà. Et donc avec les dev tools, on peut faire d'autres trucs. Parce qu'en fait, c'est surtout avec le protocole des dev tools. Donc le protocole des dev tools, il est implémenté par Chrome. Et il est implémenté donc aussi par Node.js. Il y a des clients. Donc on a vu deux clients. Hein, c'est le premier client, c'est lui. Hein, c'est l'application web qui est bundlée dans Chrome. Et en fait, on a. Oui, et après, il y a d'autres clients. En fait, il y a un client qui s'appelle Puppeteer. Puppeteer, c'est une API Node en fait, qui permet de piloter Chrome, mais de façon headless. C'est sorti il n'y a pas très longtemps. Ça fait pas mal de buzz. Du coup, ça permet de faire, par exemple, des tests d'intégration sur nos applications web. On peut piloter comme on le ferait avec Selenium WebDriver, de manière classique. Avec Karma Jasmine, par exemple, on peut faire des choses comme ça. Et voilà. Et donc ça utilise derrière le protocole des DevTools pour piloter en fait Chrome, mais non, une façon headless, donc c'est-à-dire sans interface en fait, sans interface graphique. Et donc on peut lui demander, par exemple, ouais, on peut piloter, on peut lui demander de générer des PDF par exemple. On peut faire aussi du server-side rendering, on peut le faire très bien. Ça c'est des use cases. Il y a sur la Google I/O là qui a eu la semaine dernière, il y a une presse sur les use cases de Puppeteer qui sont intéressants. Hein. Une dizaine de use case. Je vous invite à regarder cette vidéo, elle est sympa si vous vous intéressez à Puppeteer. Il y a aussi une autre API qui utilise le protocole des DevTools, c'est Lighthouse. Donc Lighthouse, c'est une API qui a été intégrée dans les DevTools, qu'on peut voir ici, qui vous fait un rapport d'audit sur votre page, sur les best practices, suivant plusieurs catégories. Il y a les. Bon, alors je vais le lancer, je vous montre un petit peu. Donc c'est l'onglet audit. Voilà. Donc là, il y a cinq catégories. Il y a les perfs, tout ce qui est progressive web app, c'est-à-dire grosso modo comment se comporte votre app en mode offline. Les best practices de développement, bon, c'est tout ce qui est sécurité. Il y a des choses autour de la sécurité. Il y a tout ce qui est autour de l'accessibilité et SEO. Donc là, on run le report. Donc là, en fait, il pilote le navigateur indirectement. Donc, il va vous sortir un score entre 0 et 100, et un score global, et après par catégorie entre 0 et 100. Et ça, on peut le faire, on le fait dans le navigateur, donc super, mais on peut le faire aussi dans Node. Et dans Node, en fait, du coup, ce qu'on peut faire, c'est que là, pour la démo, alors je vais changer de branche. Attendez, je suis paumé. Tac. Tac. On va aller sur cette branche-là. Ouais, toi, tu t'en vas. J'ai compris. Et donc là, j'ai fait un petit script qui simule en fait une intégration, même du continuous delivery, enfin une intégration du continuous delivery, qui est à la racine là, et donc qui. Je ne suis pas dans le bon repo, qui est plutôt là. Donc voilà, qui va. C'est pas là, c'est pas là, c'est lui. Voilà, c'est CI. Donc il va builder l'application Alfred. Il va exécuter les tests end-to-end. En fait, c'est un script qui est dans le dossier front. Et après, si tout s'est bien passé, c'est-à-dire que si les process. Ben, ils ont pas de code de retour d'erreur, en fait, du coup, ben, on va le déployer. Donc là. Le deploy, il est fait. J'utilise Nao, c'est juste, c'est un SaaS qui vous permet de déployer très facilement en ligne de commande vos API Node et dockerisés. Donc voilà. Et donc du coup là, donc on va aller voir rapidement. Alors ça, je vais arrêter. Tac, tac.
vous montrer rapidement ce qui se passe. Donc c'est ce qui se passe dans les tests end-to-end. On va faire deux choses. Il y a une première partie, c'est les tests avec donc Puppeteer. Je vous montre rapidement le code. Grosso modo, Puppeteer va vous donner des objets en fait qui vont représenter les objets de votre navigateur. On va pouvoir ouvrir une page, piloter le navigateur et lancer des tests en fait. Là, dans notre cas, c'est ce qu'on va faire. Et ce qu'on peut faire aussi là, dans notre cas, c'est on active le coverage JavaScript pendant nos tests et aussi le CSS coverage. Comme ça, à la limite, voilà, on récupère aussi combien en pourcentage on a couvert de JS et de CSS. Là, je vous montrer juste un petit bout de code. Par exemple, dans ce test-là, qui en fait supprime tous les to-do, on va pouvoir très facilement, du coup, aller sélectionner dans la page. Ça, c'est un query selector all. Récupérer l'ensemble des éléments qui ont la classe to-do-remove et cliquer dessus, quoi. Voilà. Donc là, ce qu'on voit, le truc, c'est que tout est réseau, en fait. On pilote le navigateur, du coup, tout est asynchrone et c'est pour ça qu'il y a à chaque fois, il y a des awaits devant les appels, en fait, à l'API des Puppeteer. Et donc là, c'est là aussi où async await simplifie vachement la chose parce que c'était beaucoup plus difficile à faire avec des promises. Voilà. Et du coup, ben voilà, on clique, on va faire une assertion. Bon, là, je suis même pas dans Jest, hein, je suis juste le mode d'assertion, de la librairie d'assertion de Node. Voilà, je vais reloader les to-do et je vais encore faire une assertion. Voilà, ça c'est un test classique. Ouais, classique. Donc là, si vous voulez, on va le lancer rapidement. Je sais pas combien j'ai de temps, je suis sûrement dépassé. Non hop. Hop. Alors, attends, on va le faire avec Yarn parce que c'est plus facile à écrire. Yarn test end-to-end. Et on va mettre. Il y a des petites configs. On va juste activer donc les tests. Donc, test. Non, c'est plutôt l'audit, on va le désactiver. Et on va juste aussi, ce qu'on peut faire avec Puppeteer, c'est qu'on peut réduire la vitesse d'exécution, parce que sinon ça va trop vite, on comprend rien en fait, quand on veut débugger. On va dire qu'entre chaque action, on va attendre 100 millisecondes. Et donc du coup, là, c'est pas en mode headless en fait. Hein, on va. Donc je sais pas où il est mon truc, il va apparaître quelque part. C'est un onglet? Non, je crois que ça apparaît. Il y a un truc qui est apparu, je crois. Il est là. Voilà. Donc voilà, on voit, il rédige les tests entre chaque action, il y a 100 millisecondes, on peut bien suivre. On peut lancer les dev tools en même temps, hein, si on veut. On va faire foirer le test aussi, si on veut, on le fait chier. On appuie sur. Ouais. Bon. Donc voilà. Donc du coup, oula, le rapport de test, il est pas top. Ce qu'on a aussi, c'est que je vous montrais la partie Lighthouse. Alors la partie Lighthouse, elle est plus simple en fait. Hein. Bon, je reviens là et là. Donc la partie Lighthouse, on va lancer. En fait, il y a une API. En fait, c'est pareil, c'est un client des DevTools Protocol. Ils ont un petit repo qui nous permet de lancer Chrome. Ce Puppeteer, lui, il le gère pour vous, ça. Il télécharge Chrome, la version que vous voulez, et il vous l'installe dans votre dossier là où vous avez dans votre node module en fait en post-install. En fait, avec Lighthouse, en fait, on a un petit repo qui s'appelle, enfin, le Chrome Launcher là, qui nous permet de faire ça aussi, enfin, qui permet juste de lancer Chrome. Et voilà. Après, on peut lancer Lighthouse. Et du coup, Lighthouse, on peut lui configurer en fait les rapports. Enfin, les catégories de rapports qu'on veut lui faire jouer. Donc, il y avait performance, SEO, accessibilité, des choses comme ça. Et après, on peut aussi, Lighthouse, c'est pas juste un outil d'audit. On peut aussi le personnaliser. C'est carrément, je dirais, un framework où on va pouvoir récupérer vous allez pouvoir développer vos propres métriques et lancer des reports sur ces métriques.
Voilà. Donc on peut vraiment le customiser comme on veut en fait. Et donc là, si je vais vous lancer, on va essayer de faire un déploiement en continu de dingue en live. Donc là, ça build le projet. Il y a du webpack. Voilà, tac, tac. Ça build. Qu'est-ce que ça fait là? Là, il me dit qu'il y a un truc qui est ouvert, il ne lui plaît pas. Certainement, il faudra que je kill 2-3 trucs. On recommence. Ça ne peut pas marcher du premier coup. Voilà, ça lance les tests. Nickel. Nickel. Oui, c'est bon. Ça lance l'audit. Bon, là, voilà, on a printé dans la console, en fait. La couverture de code JavaScript sur ben on a deux bundles hein, de fichiers JavaScript. On voit que là côté vendor c'est pas terrible, on a qu'à 46%, on load peut-être un peu trop de choses. Et voilà, côté app on est plus à 73%, c'est mieux, et on a pareil sur le CSS. Et là pareil, voilà, on voit le rapport d'audit qu'on avait de Lighthouse par catégorie. Voilà. Et donc moi, là, ce que j'ai fait, j'ai configuré un threshold, en fait, un score minimal. Si jamais le score est inférieur à ce score, eh bien, le process part en erreur et du coup, ça déploie pas dans le cloud, quoi. Et donc du coup, là, c'est bon, tout est passé. Et donc c'est en train de déployer avec Now, voilà. C'est peut-être un peu lent. Il déploie, quoi. Voilà, bon, on reviendra après, mais non, c'est bon, ça marche. Voilà, alors, merci à vous. Merci à vous de m'avoir écouté, et merci à Guillaume Arme qui m'a aidé, hein, qui est au fond de la salle, qui m'a aidé, qui a développé en fait l'exemple, l'application Alfred, et tout ce qui est test end-to-end avec Puppeteer. Voilà, je vous ai publié vous avez les slides là, ici, et aussi, la démo qui est ici, voilà. La démo elle est faite, le front il est fait en React, il n'y a pas de Redux, on l'a pas mis. Voilà, c'est des features de React 16.3 si ça vous intéresse d'aller voir le code. Et voilà. Et je vous ai mis plein de ressources sur la Google I/O 2018, là qui a eu lieu la semaine dernière. Il y a des choses intéressantes, notamment autour des dev tools, là, je ne l'ai pas montré, c'est la Eager Evaluation, là. Je peux peut-être vous le montrer très rapidement. Mais si je fais 1 plus 1, ça fait 2. Okay. Pour l'instant, ça va. Ouais. Et là, avec Eager Evaluation, on fait 1 plus 1 et il me dit déjà que ça fait 2 alors que je n'ai pas encore tapé sur Entrée. C'est pas mal. Donc ça, c'est une feature, ça peut être intéressant. Je trouve ça pas mal, ouais. Parce que, comme ça, on peut corriger en fait rapidement sans polluer sa console. Voilà. Et du coup, je vous en parlais, ouais, il y a pas mal de use cases sur Puppeteer qui sont intéressants au niveau SSR. Moi, je trouvais que c'était la démarche était plutôt sympa. Et aussi au niveau, ça n'a pas de rapport, mais machine learning, il y a des trucs très très intéressants sur Google I/O. Voilà. Je vous remercie à tous. Voilà, si vous avez des questions. Ah oui, des questions. Après, oui, c'est vrai. Voilà. Oui. Je suis arrivé un peu en retard, donc s'il faut, je vais tout au début. Oui. Comment ça se passe quand on a des étapes de compilation, etc. Quand on veut éditer le code source directement dans Chrome, il s'en sort correctement? Alors, il faut déjà que tu actives les sources map au niveau. Il y a tout un process à faire pour arriver à. Ouais, en fait, les sources map, c'est un truc qui va faire le lien entre ton code source et le code qui est généré. Et c'est un format que comprend très bien les DevTools. Et il va faire le mapping. Et du coup, ce qu'il faut à faire en plus, là, je l'ai fait, enfin, dans l'appli, je l'ai fait, je ne voulais pas montrer, mais. On peut loader le workspace en fait de ton repo en fait et éditer directement les fichiers sources. Donc
avec du site active en plus du le autreload de Webpack, ça peut être, enfin le workflow d'édition il peut être super smooth en fait, hein. Tu peux éditer très rapidement, facilement des composants, les voir changer dans l'interface sans même reloader la page. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien sur des petites et moyennes apps. Après, c'est vrai que ça peut bagoter. Ça dépend en fait ce que tu modifies. Hein. Le hot reload, c'est pas parfait quoi. Ouais. Ça évalue quand même, ou alors ça évalue que les expressions simples type genre un bien doc. Ou ça évalue par exemple si j'ai une fonction avec un appel API. Ouais, je suis pas sûr, mais je crois que c'est isolé, ouais. Je crois, je crois. C'est sans doser, mais le problème c'est que bah, c'est une IO quand même. Ah, je suis Sans plus très doser, sûr. pas. Ouais, mais dans Google I.O., ils le disent, ils en parlent. Je sais plus exactement. Ouais. Est-ce que tu as essayé de comparer avec le RESTful de Firefox? Non, ouais, Firefox. Voir ce qui manquait, par exemple, à des Firefox, ouais, j'utilise très peu. Enfin, je l'utilisais bien en fait à l'époque où il y avait Firebug en fait, et depuis qu'il y a les DevTools, effectivement depuis 3-4 ans, je suis plus Firefox. Ouais. Oui? Ouais, parce qu'en fait derrière j'ai fait un, j'utilise NodeMon en fait. D'accord, oui, c'est un autre process qui. Voilà. Mais les DevTools, eux, ils sont capables de se reconnecter. Le process, il redémarre la nouveau PID, mais les DevTools, eux, ils peuvent se reconnecter donc au process. Parce que moi, côté serveur, par exemple, je fais du lead et tout ça, donc il y a des petites transformations qui sont faites sur le code du serveur. Comment ça peut marcher ça avec le workspace? Il y a peut-être pas de solution. Ben, dans le workspace, tout comme côté front, avec les source maps, ça devrait bien se passer. Je pense. Ça va voir, ouais, mais je pense que. Ouais, je pense que ça devrait se passer de la même manière que côté front. Hein. C'est vrai. Après, ouais, c'est ça. D'autres questions? Oui, parce que l'idée c'est qu'il y a une sauvegarde qui est faite dans du workspace et ça va redéclencher tout. Et donc là, il y aurait les sources maps qui permettraient de. En gros, c'est ce que vous êtes en train de dire, ça peut marcher dans ce cas-là. En fait, je crois qu'il n'y a même pas besoin des sources. Si. Si, les sources maps, c'est important pour poser le point de. Les breakpoints, il faut les sources maps, sinon il va rien comprendre, quoi. Il va écouter les changements de fichiers, de toute façon. Ouais, donc pour poser les breakpoints, vous avez besoin des sources maps. Et après, le fait de loader le workspace dans les DevTools va vous permettre d'éditer les fichiers de votre serveur sans problème. Ouais, ça devrait fonctionner, hein, ouais, il n'y a pas de souci, je pense. Hein. Là, les source maps, ouais, ils vont vraiment aider pour poser les breakpoints, en fait. Hein. Ouais. Voilà. Avec quoi? Avec les protocoles des DevTools par exemple, on peut. Bah après on peut, c'est du JavaScript, hein, donc on peut très bien surcharger l'objet fetch par votre objet dans le contexte global et puis c'est fait, ça marche quoi, ça. Mais ouais, après ça on peut le faire, ça c'est des choses que vous pouvez faire en JavaScript sans forcément les DevTools. Les DevTools, qui vont, j'ai vu un truc sympa là, avec les DevTools, c'est que on peut, avec le protocole, insérer, par exemple, du code Node qui va lire un fichier qui est sur, genre, etc host, par exemple. Et ça, cette fonction-là, en fait, on peut l'insérer dans le process qui implémente les DevTools, c'est-à-dire, par exemple, Chrome. Et on peut appeler cette méthode directement après dans Chrome, en fait. En fait, attendez, on peut, voilà, on peut faire, en fait, ben voilà, les pages web, elles sont sandboxées. Et en fait, avec le protocole des DevTools, on peut publier
des méthodes, du code en fait, qui va faire le lien en fait entre votre process node et votre code sandboxé dans Chrome. Ça, c'est intéressant, ça. Je sais pas si je me suis bien exprimé, mais oui, les questions, oui. Du coup, j'ai deux ou trois questions pour vous. Alors, ça va être une question de rapidité. Alors, que veut dire CDP? Je ne l'ai pas dit, hein, c'est pas facile. Il y a un truc à gagner. Hein? Ouais, c'est ça, Chrome Dev Tool Protocol. Alors, pareil. J'en choisis trois, donc il m'en reste deux. On va faire celle-là. Quel argument ligne de commande permet de déboguer un programme Node.js? Merde, ouais, il faut lever le doigt là parce que je sais pas. J'envoie là-dessus. Ok, bravo. Et bon, le dernier. Non, ça c'est trop facile. Ça, j'en ai pas parlé. Quelle technique permet d'ignorer le code source des dépendances lorsqu'on débug? C'est pas forcément des dépendances, mais quelle est la technique dans les dev tools qui permet de cacher en fait du code qu'on n'a pas envie de voir en fait dans les call stack par exemple? Vous savez pas? Non. Ouais, bravo. Tu donnes la question, hein? Comment? Une autre question? Ok. Bon, ok, alors du coup, ça va être... Est-ce qu'on doit installer au préalable Chrome pour utiliser Puppeteer? Faut lever le doigt. Non. Ouais, bravo, t'as levé le doigt. Voilà. Bravo. Et donc ça s'est déployé au fait. Voilà. Donc on a notre appli, ça s'est mis dans le clipboard. C'est juste que c'est super lent. Voilà. Mais l'appli s'est déployée, il y a eu un succès. Tac tac. Voilà, on a le fait dans le cloud, quoi.